vous demander donc d'accueillir le premier boxeur combat classe A, 5 rounds de 3 minutes. Le premier boxeur, coin rouge, pensionnaire du team Thai Boxing Istra. Je vous demande d'accueillir monsieur David I'm that night that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Body comfortable, cause I know what that girl in me. New York to Haiti. Je vous demande à faire monsieur Tommy. Donc monsieur David Peng, coin rouge du team Thai Boxing Istra, coach et entraîneur monsieur Yazid Boussa Marco. Il pèse 62 kg, mesure 1 m 70. Il est âgé de 30 ans, il a 34 combats sur l'actif, 21 victoires, 7 KO, 13 défaites. Monsieur David Peng, coin rouge du team Thai Boxing Istra, il sera opposé pour ce deuxième combat de cette soirée au boxeur coin bleu, pensionnaire du Royal Team Belfort, monsieur Idir Maksou. Je vous demande d'accueillir donc monsieur Idir Maksou. Monsieur Idir Maksou, donc coin bleu, Royal Team Belfort, coach et entraîneur Kader Charfaoui, Abdel Louail, Aaron Tiriaki. 60 kg 700, 1 m78, il est âgé de 32 ans. Il a 12 combats à son actif, 7 victoires, 5 défaites. Il a été champion du monde WTKA en 2014, vice-champion d'Europe WFC 2009, champion de France 2008 et 2009, monsieur Idir Maksoud. Lion Belt 5ème édition, 5 rounds de 3 minutes. David Peng, coin rouge, Team Thai Boxing Istra. Idir Maksou, coin bleu, Royal Team Belfort. Premier combat donc de cette soirée, David Peng, coin rouge, Team Thai Boxing, Istra, pour une ceinture, Lion Belt face à Idir Maksou, coin bleu, Royal Team Belfort. David Peng donc 34 combats, 21 victoires, 7 KO, 13 défaites. Face à lui donc Idir Maksou, 12 combats, 7 victoires, 5 défaites. Voilà donc vérification et contrôle du matériel fait par notre officiel donc de l'AFMT auprès donc de Idir Maksou du Royal Team Belfort.
Premier combat donc de cette soirée, Lion Belt, donc 5e édition. Soigneur, on dirait s'il vous plaît, la coin au centre. Point rouge, point bleu. Soigneur, on dirait s'il vous plaît, la coin au centre. Juge 1, juge 2, juge 3, superviseur, médecin, chrono, la couée, point rouge. Top. Début de la première reprise. On peut les appeler. Fin de la première reprise. Voilà donc notre charmante Rock Girl. On peut l'applaudir, charmante Rock Girl. Ça? Arrête de prendre sa brosse. Encore à corps, t'as vu? Je prends, quand tu rentres dedans, encore t'es mis de face. Maintenant, vise bien le fessier, ton genou, entre les gants. Ok? Bien joué, lève ta main gauche. Ta main gauche, tu me la lèves. Le danger, c'est que de là, que de sa droite. D'accord? Il n'y a que sa droite qui est dangereuse. Donc ta main gauche, tu me la lèves. Tu me touches, mon genou. Ok? Va chercher.
Le personnel de la régie est attendu donc près de la sono. Le personnel de la régie est attendu près de la sono, merci. Début de la deuxième reprise. Pour ce premier combat, on peut applaudir donc très fort donc Monsieur David Peng du Team Thai Boxing East qui a été opposé à Monsieur Idir Maksoud pour le du Royal Team Belfort. Voilà donc Idir Maksoud du Royal Team Belfort et Monsieur David Peng du Team Thai Boxing East. Donc messieurs les Lacroix donc au centre pour la décision donc des officiels.
Alors, et donc déclaré vainqueur par KO à la deuxième reprise, le boxeur coin rouge, monsieur David Penn. Monsieur David Penn, donc du Team Thai Boxing East, qui gagne donc par KO à la deuxième reprise. Et j'aimerais qu'on applaudisse aussi monsieur Idir Maksoud, monsieur Idir Maksoud du Royal Team Belfort. Parce que pour monter, voilà, donc pour faire un bon combat, il faut être deux. Vainqueur donc monsieur David Penn, donc par KO à la deuxième reprise. David Penn donc va...